Bonjour, bonsoir à tous nos amis, à tous nos frères, à tous nos sœurs, membres de la grande famille du ministère de délivrance. Nous félicitons et nous glorifions nos bon Dieu chaque jour qui permettent que vous capables ensemble avec nous pour nous étudier parole bon Dieu. Et du même coup, nous avons félicité et remercié tous les amis qui étaient prend part actif d'une manière ou d'une autre dans l'anniversaire de ma femme. Hier c'était fête madame, moi grand pile monde qui était fêté avec lui. Amis internautes, bonsoir et c'est une joie, c'est un privilège pour moi là avec nous aujourd'hui. Hein. Juste pour moi qu'à remercier nous concernant et soyo, prière et cadeau de toutes sortes. Plus pour prière parce que je me sentis que le Saint-Esprit était vraiment avec moi jeudi. Hein. Il est toujours là, mais jeudi, hein, il était plus bon côté moi malgré ti bagay qui t'a venu pour t'a fait m'attrister, mais chaque fois que me songer avec nous ou bien y a un message qui fait que monter sous téléphone là, il fait que moi reprendre moi et moi retourner avec moi. Et sans nous même avec pasteur moment ça va pas possible et me dit pasteur m'a dit non ça lui met mais son moi il mettait michita là pour moi qu'a dit non merci de tout cœur et à l'année prochaine nous souhaiter que fête là plus belle, plus grandiose. M'a dit que nous pouvons rencontrer Yona Clot, mais n'a plus gagné visuel là. Et moi souhaitais que bon Dieu bénisse nous, que nous-mêmes tout qui a fêté, le moins qu'on ça m'apprenne ça plus belle, plus et gay pour nous tout et plus grandiose. Et moi dis nous merci, que bon Dieu continue bénisse nous. Rete moun nou ye an, pa chanje. Si nou gen pou nou chanje, vin pi bien ke jan nou ye an. Merci. Merci de tout cœur. Bye bye. Tout moi consacré avec moi-même et madame moi parce que moi-même m'a fêté 26 juillet. 26 juillet c'est anniversaire pas mais pas madame moi c'est exactement début mois. Donc nous dit tout moun merci qui t'a fait possibilité pour yo t'a fait nous sentir que yo remet travail qu'a fait là et surtout yo fêté avec madame Passe. Donc nous dit bon Dieu merci parce que li ba nou yon grande famille pour nous capable ensemble vivre dans l'amour fraternel. Bien-aimé, matin nous pral wè nan vigile là, Dieu veille sur notre famille. Dieu veille sur notre famille. Et leçon a bien pour titre le messager. Prions le Seigneur. Comment ne pas te remercier, adorable Père des cieux, puisque à travers nous et autour de nous, nous constatons toujours ton amour infini et les bonnes explications théologiques qui nous ramènent jusqu'à la croix où nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Que ta main soit sur nous, Père, ainsi nous t'adressons nos vœux au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, méditation, c'est Dieu veille sur notre famille. Texte de base là, trouvé dans Colossiens 3, le verset 18-20 qui dit « Femmes, soyez soumises à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Mais, mari, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Bien-aimés, méditation matin, les ramener nous sur trois points. Trois points. Premièrement, en dans famille, on doit avoir l'esprit de soumission. Donc, femme responsable et respectueuse là, les respecter maril et les soumettre à maril dans les bonnes conditions, pas dans les mauvaises conditions. Et il attire attention nous sur dans camario concernant les maris. Bon Dieu fait nous sentir que nous doit nous appeler pour nous faire nous appeler pour nous exprimer l'amour envers madame nous, montrer que nous remèl tant que Christ remèl l'église. La soumet ensemble avec nous, pas par la violence et nous-mêmes n'a bali love, n'a bal l'amour toutes conditions nécessaires et qui félicitable yo. Et après ils font appel pour les enfants, yo dit nous s'il vous plaît, nous les enfants, nous devons aimer les parents et les respecter. Qui ça la Bible dit nous après? Eh bien, jounou yo va augmenter. Et comme ça,
n'a va béni dans pays que n'a vive là. Donc méditation attirer attention nous pour nous prendre responsabilité nous. Soumettre, aimer et vivre dans l'amour que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous t'es content pour nous te présenter aux méditations. Hein? Maintenant nous pourrons passer rapide dans leçon. Hein? Leçon 1. Le commencement de l'évangile. Verset à mémoriser. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1er, le verset 14. Jodi a nous parler ensemble le messager. Bien-aimé, avant nous développer contexte messager à pour vous, qui a un rapport avec Jésus-Christ et quelque part qui a un rapport avec Jean-Baptiste, eh bien, nous devons admettre que la croix portait deux tensions, deux tendances spirituelles. La croix, c'est une image qui humilie. Donc, nous voyons humiliation en dans la croix, la mort de Jésus-Christ. Et la croix, c'est une image de gloire. Nous voyons à travers la croix, les chrétiens, ils ont un pouvoir et autorité pour être capables, eh bien, riposter contre l'ennemi. Maintenant, il est important pour nous comprendre tout ça qui a un rapport avec début l'histoire de Jésus-Christ avant d'arriver sur la croix. Très important. Pas oublier, nous n'ayons point culminant qui transforme la face du monde côté depuis des générations, depuis 2000 ans, les hommes ont cité un nom, yorele Jésus. Et tout le monde admet pour yo citer non ça, tout le monde d'accord pour yo fléchir genou devant l'. C'est-à-dire, nous avons un contexte qui paraît un peu radical face à la compréhension humaine. Pas gagner yon l'autre niveau de compréhension. Si soit accepter Jésus ou pas accepter. Donc nous avons début quelque partie historique avant Jésus mourir. Avant ça, l'important pour nous aller ensemble avec vous, Marc 1er, le verset 1 à 8. Il dit: prédication de Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète: voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en m'abaissant la croix de ses pieds, de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais force message, Jean. C'est les gens dit, lui-même, lui baptisé du Saint-Esprit. Texte que nous sommes lits là, lui parler de Jésus-Christ, lui parler de Dieu, lui parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait un travail préparatoire. Écoute, il t'a préparé terrain pour venir Jésus. C'est une belle histoire, les mamans Jean-Baptiste enceinte et que cousine Marie enceinte, tous les deux cousines ont rencontré petit moun yo un mouvement yo fait entre eux-mêmes. Mais les papas Jean-Baptiste tandis que le pral fait un petit, il pas de quoi que le tap capable font petit et même questionner à Dieu en dans sanctuaire dans lui très saint, est-ce que le possible vrai pour le font petit. Bon Dieu dit: mon cher, puisque
ou pensez que le pas possible leur fait ou à parler. Donc monsieur sorti en dans sanctuaire, monsieur fait 9 mois environ le pas jamais dit un mot. Il écrit seulement ça le besoin. Le petit la vie fait, il a discuté comment pour y reler. C'est dans un moment ça monsieur prend la parole et dit petit il a pris les gens, il prend préparer chemin pour Jésus-Christ. Donc Jean-Baptiste c'est un monde spécial, un homme que toute l'humanité pensé dans lui-même, c'est le Messie. Mais ça qui fait message Jean-Baptiste après paraître plus puissant, c'est lui qui dit moi pas digne pour moi délier même quoi, donc la sept souliers moun ça, tellement moun ça puissant passé. Or dans l'histoire des Hébreux, le plus puissant des prophètes, c'est bien Moïse. Non seulement Moïse mène une lutte corps à corps avec le pharaon de la terre dans sa dynastie, dans sa diplomatie, et les dix plaies en dans lutte Moïse là rete yon figure de riposte majeure en dans lutte que bon Dieu a mené avec ennemi, qu'à tel point après Apocalypse répété dix plaies ça yon encore. Donc tout le monde admet que pas de grand prophète passé Moïse, pas grand pire passé. Maintenant leur temps des moun ka vinn plus puissant, yo pas connait dans quel niveau moun ça puissant, et en plus yo tande moun ça, et bien c'est lui même qui va rendre du Saint-Esprit. Maintenant là qu'on a font tal font histoire du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament il était plus symbolisé par yon l'huile, il était gen l'autre symbole, mais l'huile là était plus approprié. Nous comptons de dire comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, etc. Donc c'est comme ça que vous avez chaque monde bon Dieu choisi. Vous avez dans l'huile sous tête. Yo. Et l'arrivé dans le sanctuaire, c'est toujours l'huile qui lavre dans l'ampio pour permettre l'ampio lumer. Donc l'huile là représente le Saint-Esprit. Le temps de moun kap vin la capable de rendre par le Saint-Esprit pharisien. Vous venez prêter attention avec parole ça monsieur Abdi, parce que yo gen l'huile ça en dans sanctuaire et sacrificateur yo même qui là yo tant d'informations. Maintenant yo vinn plus prend au sérieux parole Jean-Baptiste a pour la terre, parce que si moun k'ap vinn ava roin du Saint-Esprit, premier roi yo respecté parmi tous les rois en Israël, c'est bien le roi David que bon Dieu t'est roindre avec l'huile. Donc tout moun yo gon respect ou la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, son bel bagay, hein? Tout le monde courit automatiquement, vini baptiser pour être capable de repentir, parce que c'est baptême de l'eau, ça, premièrement, on lui prend, et après, le Saint-Esprit a accompagné le monde qui vini après. Maintenant, tout le monde mette dans la tête, le monde qui vini après, a pas n'importe qui. D'ailleurs, le monde qui a préparé le chemin pour lui, il n'a pas compris. Il n'a pas vivre même contact avec tout le monde, il est séparé du peuple, Jean-Baptiste. Maintenant là qu'on y a peuple là il a prêté attention avec moi Jean-Baptiste, et en même temps suivez qui est pendant ce temps Jésus qui est en prenaissance. Yo même yo on bagaille à long terme on bagaille la qui est en réalisé sur Jésus qui est en prenaissance. Pendant Jean-Baptiste a fait baptême, Jésus paraît, il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Maintenant là yo pas fin ouais réalité ça. Jean message d'a prêché de attente yo gain, c'est pas ça yo ouais de type à Maria qui fait là en Galilée, Bethléem, est-ce que gon bagay de bon qu'on sorti dans zone sa yo? C'était comme ça bagay la teye à l'époque de Jésus-Christ. Eh bien, Jean-Baptiste qui déclare parole sa yo qui te permet moun yo te courir vini. C'est ça que fait gen moun le aptan de Jésus, yo anti jan vle révolté, mais gen moun yo peur parce que yo té là dans période baptême là. Yo té tendé déclaration qui té faite sous tête Jésus et yo té wè activité qui té faite là. Leur colombe là té descend là, yo té wè activité, c'est-à-dire et c'est une image du Saint-Esprit tout, c'est-à-dire moun yo convaincu, mais seulement yo pas souhaité pour té paraître non niveau bas comme ça, surtout pharisien yo. Yo pas besoin pour té paraître bas comme ça, ça du séyen yo. Corsa ni de rien. Yo pas de besoin pour Jésus te vinn nan niveau ça. Yon pauvre. Yo te plus ouais yon homme qui te fait grand étude même gens ensemble avec yo. Mais yo pas trouvé yon monde qui paraît très vulnérable que yo même. Yo gen autorité, yo gen contact ou mais yo gen plus puissance, yo gen plus contact chef face Jésus. Yo pas trouvé bagarre là comme ça. Mais c'est ça qui fait poids et commencement
l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile prédication. Hein. Donc quand nous est le messager, premièrement nous est Exode 23 verset 20, il mentionne un ange qui représente exactement Jésus-Christ qui vient pour le marcher devant le peuple là qui permet de entrer Canaan, la nouvelle Jérusalem très bientôt que nous-mêmes nous pourrons jouir dans tant qu'à venir. Et après Ésaïe 40 verset 3, il parlait aussi de messager qui c'est exactement Jean-Baptiste et aussi Malachie 3 verset 1. Donc nous trois textes ça yo attirer attention Marc. Alors là nous dit Marc, on nous dit Pierre dans l'idée que Messie a te gain pour venir. Donc c'est pas un hasard l'Ancien Testament classé et c'est seulement jour a compter pour Messie a capable venir. Donc nous dans début histoire là. Pas oublier nous pour qu'on a baptême Jésus-Christ. Oh, baptême Jésus-Christ a pour demain si Dieu veut, n'a parti mercredi a capable pour titre le baptême de Jésus. Donc nous na commencement, donc période de temps préparé qui c'est travail Jean-Baptiste là. Prouver capacité monde cap venir et puissance que l'a gagné et lui-même que yo même et lui-même que peut-être jodi a la yo bal valeur en même temps que monde qui ignorer mais monde cap venir plus puissant et la va roin du Saint-Esprit. Puissant message à c'est que monde cap venir la prendre du Saint-Esprit. Donc ça c'est très important pour eux parce que on connaît tout parcours peuple Israël fait avec des leaders que bon Dieu choisit et leader ça yo te rendre du Saint-Esprit par une onction. Donc il est important bien-aimé dans le Seigneur dans début travail bon Dieu pour demander bon Dieu une onction pour nous demander bon Dieu pour capable là ensemble avec nous pour Saint-Esprit capable avec nous pour que nous capable fait travail ça dans volonté. Donc bien-aimé, on nous toujours prier bon Dieu pour le capable quitter Saint-Esprit sous nous pour nous faire travailler selon volonté que le Seigneur vous bénisse. Nous t'es content pour nous te présenter le son ça. Et n'a pour tout merci. N'a bon rendez-vous à demain si Dieu veut n'a parti mercredi à capable pour titre le baptême de Jésus. Prions le Seigneur. Remercié sois-tu adorable Père des cieux puisque à travers tes paroles tu veux nous transformer chaque jour. Bénis-nous, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Sauti 11h, rivé minuit, avec ministère de délivrance, viens passer un moment de prière. Un moment côté où tu recharger batterie spirituelle. Et un moment tout côté où tu pas bon Dieu sous sérieux. Et comme ça, tu es toujours content dans le nom de Dieu. Et puis, délivrance par. Délivrance par nous toutes, yo assuré dans le nom de Jésus.